Au suivant. Ça va être un fauteuil. Alors, vous m'avez compris, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que c'est que ces manières de soifard, goulou, sauvage, rustre, écarte-toi! Si on retourne là-bas et qu'on ne sait pas faire... Tu crois? Attends, le dernier qui s'est planté, il paraît qu'il l'a transformé en barrique. Oh non! Il est resté assis dessus pendant 2 mois. Ah bon? La terre, elle sent des parfums qu'on peut pas sentir, sauf si on sent le raisin qui sent la terre, tu vois? Hein? Au début, le raisin, tu sais, c'est des tout petits grains, tout petits. Mini! Voilà, mini. Et alors, il plonge là-dedans. Silence. Grand silence. In cammino tal la testa, una gran festa fa preparar. Se ne trovi in piazza qualche ragazza, che come quella c'è chi dalle mani. Languedocienne, je suis née à Montpellier, mais par ma mère, mais par mon père, je suis
moitié bordelaise, moitié espagnole. Voilà, donc c'est par rapport à mes racines également. Alors donc le vin en lui-même, donc c'est un vin de garde. Là, je vous fais déguster un 2010. Vous m'entendez au tonneau, c'est le 2010. Et donc il est un peu jeune, mais enfin bon, vous allez vous faire le palais. Vous allez voir. Et il est constitué de 60% de Syrah, 30% de Grenache et 10% de Mourvèdre. On ne fait pas la totalité, hein. On fait moitié cuve, moitié barrique. Au bout de 7 mois, on assemble les horloges. Voir vaut mieux si par là j'en sais vers, ayant dans son cœur, sans fiel, la justice, et dans son verre, un vin bleu comme le ciel, l'ivresse dit dans sa tête ce bon sens. Serré sur la série. Voilà. Oui, je vois, oui. Et ça me s'arrange. Non. Non, en fait, c'est... Là, j'avais fait une très grande trace, c'était tout rouge, et puis en fait, il y a des traces qui restent.